Bonjour à tous et toutes ces vitesses, il est 7h04 du matin, nous sommes le vendredi 26 octobre et aujourd'hui c'est direction la Paris Games Week. Donc le salon ouvre à 8h30, j'ai à peu près un petit peu plus d'une heure, j'ai une heure et quart à faire en train par rapport à ma ville jusqu'au salon. Donc comme ça j'aurai un petit quart d'heure à attendre. Donc pour la troisième année de suite, j'ai la possibilité de faire le salon le premier jour. Généralement, il y a moins de monde cette année, étant donné que les gros titres sont sortis avant quand même. Il devrait y avoir peut-être un petit peu moins de monde supplémentaire. Voilà, je voulais faire cette petite intro avant la visite du salon. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour la visite de la Paris Games Week. Ok, c'était un peu long. Enfin arrivé. Essayer, honnêtement, il dépassera pas Mario Kart en termes de fun. C'était assez bizarre à tester, mais je sais pas si je me le prendrai pour de vrai par contre. Thank you.
le stand rétro avec le stand MO5. Allons faire un petit tour là-dedans, la Dreamcast. D'accord. Ah oui, c'est pas son anniversaire normalement cette année. Enfin, comme tous les ans d'ailleurs. C'est le psychologue. Fortnite saison 5. Ouais, super Metroid. Oh, c'est long. Ah ouais, d'accord, c'est en deux parties. Ah, c'est bien fait. La librairie, allons faire un petit tour. Ça, je connais les Pokémon, je vais en avoir quelques-uns. Non, ça existe encore ça?
JDG. Ah, il y a 4 saisons. À mon avis, c'est pas encore commencé. Il y a personne. Vous voyez, pour un premier jour, il y a pas mal d'espace de circulation. Après, à voir ce que ça sera demain. Mais enfin, samedi en l'occurrence. Mais moi, je ne viens ici qu'aujourd'hui, vendredi.
Smash Bros avant sa sortie, ça serait plutôt sympa. XXL2, franchement un très bon jeu si la sortie PlayStation 2 à l'époque. Ensuite, des sortes de montées, en fait, avec deux bandes, simplement, une tour à droite, une tour à
dans une place centrale. Et ça, sur l'expédition risquée, ça va être assez intéressant parce que l'expédition risquée n'a pas le centre, elle commence au centre. Donc il faut très très vite se dépêcher pour aller chercher la plateforme qui est au centre. Et ensuite, il va falloir monter les différents étages pour pouvoir essayer de poser cette fameuse plateforme dans la base ennemie. Et le pire, c'est que comme on dit tout le temps, et justement, la hauteur vous permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus vaste et de pouvoir prédire vos adversaires plus rapidement. Allez, c'est parti! Foster et... aux commandes. Allez, on est sur Splatoon 2, c'est un format compétition. Je vous rappelle qu'en ce moment, les tournois, vous pouvez vous inscrire. Tournoi sur Splatoon 2, tournoi sur Mario Kart Deluxe et tournoi sur Super Smash Bros Ultimate. Et comme toujours, hein, tout l'espace dans la scène, je vous rappelle, dans le live streaming, à retrouver sur les réseaux de Nintendo. Pour ceux qui ne pourront pas forcément être présents avec nous sur les 5 jours de cette PGW, hashtag, on vous le rappelle, Nintendo PGW. On va se mettre en plein centre. Et la bataille fait tout de suite rage. On vous le rappelle, l'équipe EBTV en couleur jaune. L'équipe Bossetti en couleur bleue et ça y est, c'est l'équipe EBTV qui arrive au premier point de contrôle. Point de contrôle numéro 1. Avec attention, on a encore Florence là qui fait un peu de dégâts, cette arme spéciale. En jouant plus avec la hauteur, ça fait toujours un massacre et avec une arme de ce voilà, comme celle-ci. Il suffit de viser tout simplement et bien la plateforme. Le problème, c'est que cette plateforme va pouvoir venir au centre parce que personne ne peut dessus. Mais pour l'instant, les bleus défendent, mais les bleus n'arrivent pour l'instant pas à mettre et bien, la partie sur cette fameuse grande plateforme. Et le symbolique qui va repartir au centre, ce qui permet quand même à l'équipe de Bossetti de pouvoir se défendre. Tu es que. Ça a l'air d'être parti pour les plus jaunes, encore 62% à terminer. On a encore l'attaque spéciale qui vient de se sauver. C'est une fresque Astérix Obélix. Bon, malheureusement, je ne serai pas là pour voir le résultat final. En tout cas, je vois le début. Je ne sais pas s'il est fermé le stand, mais il n'y a pas grand monde. Enfin, il n'y a personne en fait. Roman Profi. Ouais, je connais pas celle-là. Ah, il y a quelqu'un qui joue là-bas.
Allez, au champ. Allez, sur l'énergie, là, le joueur 2 marque trop trop bien. Le joueur 1 est pas trop mal. Il fait un bon début. Et c'est le joueur 2 à gagner. Ah, j'ai fait le test l'an dernier. J'avais une 9,75. Donc je me suis fait deux autres parties de Super Smash Bros. Donc malheureusement j'ai perdu, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais c'était quand même sympathique à tester. Maintenant je vais continuer mon tour du salon. Sans bon esprit. Ça va aller. Alors, juste un truc. Là, on est premier degré, d'accord? Qui est le meilleur? C'est toi? D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu ouvres ta gueule, mais t'es à chier, c'est ça? Pas vraiment, c'est juste que sur le calibre, ça fait très longtemps que j'ai pas. Allez, on y va, les gars. Allez, combat, en tous les cas, j'aime leur esprit. Ils sont sympas, ils sont souriants, ils sont agréables, ils sont polis. Je vous souhaite le meilleur, les gars. Bon match à tous les deux. Ils sont bien, moi j'aime ça, ils sont là. C'est un pro, c'est vrai? Écoute, quoi qu'il arrive, vous représentez bien le jeu et vous êtes agréable. Voilà. J'adore comment tu bouges. Bon, allez, je laisse le spécialiste, moi je ne suis que dans l'émotion. Toi, tu es dans la liste, dans l'analyse. Mitsurugi contre Gilik Mitsurugi qui est à peu près le château du jeu. Qui a un peu moins d'allonge que Gilik et qui a des attaques assez très rapides, très très fortes. Et létales, ils sont létales là. Ça a bien commencé pour nous face à ça. J'ai pas regardé, je suis en train de traduire ce que, comment on dit, ce que veut dire Sledge. Laisse-moi respirer. Oh, comment il t'a soulevé. Il t'a monté en l'air. Joue avec toi. Ça va te jongler. J'apprends un perfect. Si. Perfect. L'humiliation suplée. Tu peux sortir, s'il te plaît. Je vais lui serrer la main souvent. Le pauvre. Attention. C'est bien, j'adore les commentaires, vas-y, Kato, vive. Là, tu passes à gauche, t'es toujours à gauche. Attention, t'as presque plus de vie. Oh, super bien joué. Oh, super bien joué. Papa, regarde. Oh, super bien joué. Regarde. Alors. Mais je t'aime, toi, mais t'es... Ah, ça joue, c'est un killer. On lui laisse quand même. Ah ouais, bien sûr. Oh, il y a du combat, putain, mais il y a du niveau. Au-dessus. Il y a du niveau. On prend du calibre ensemble. C'est serré. Oh, c'est trop loin, il faut plus contre-attaquer, on rentre. Oui, aïe, 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 aïe.
des cadeaux. Donc voilà, c'est des petits délires, des petits trucs sympas. A tout de suite. Secouer ce bocal. Alors, qui aura le bocal le plus vide, le plus rapidement possible? Ça a l'air pas mal du côté de chez Beach pour l'instant. Ouais, Mario aussi. Tu sais comment ça se passerait? Tu sais qu'au démarrage, ouais, ça va vite. Ça va vite. Et qu'ensuite, il reste les formants en format un peu concours. Ouais, allez, Luigi, voilà. Presque. Luigi, c'est la cube. Luigi. Luigi. Ah, oh, c'est Mario au final avec Disney. Mario, non, mais top. Et Luigi, donc Peach qui vit. Voilà. Peach qui vit le fameux moment de Sonic. T'inquiète pas. Ah, c'est bien. Bien joué. Bien joué. Ben, franchement, j'ai fait bien pire. Et c'est ce qu'on peut faire. Cela ne va encore sortir officiellement. On va pousser Mario pour pousser dans le feu. Et derrière, malheureusement, pas tous les autres. On va essayer. Ils sont déjà sortis. Avec le gros Pikachu. Et Redley c'est pas fort ce jeu, tu sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça va, il est stylé quand même. Splatoon 2 avec, je vois déjà Camille et Christina de la team Splatoon 2 qui sont déjà prêtes. C'est fou, je crois que c'est Roman Po, ouais. C'est le pouvoir aux femmes sur le tournoi Splatoon 2. C'est marrant. C'est parti. Alors, on est bon, c'est parti, on a entendu les 5 cours Luigi qui est légèrement derrière mais qui va rattraper doucement ses petits camarades de course. Mario et Peach qui sont pas sur le bon chemin, mais c'est pas grave, attention en haut en bas. Oh là ça, on se resépare. Mario qui a encore un mauvais choix et Tobito plus bas. Peach continue aussi tout petit. On a vu Peach remonter pour se dire tiens, ouais, ce pouvoir là a l'air pas mal. Et qui au final a décidé de revenir vers le bas. Pour l'instant, c'est pas mal, hein. 25 secondes pour tout le monde. On est bien lancé sur cette partie. Normalement, des bases. Attention Peach, j'aurais dû me taire. Tobito qui tout à l'heure il prend le mauvais chemin, il a vraiment pas de chance. Ça y est, il prend le bon, mais il y a Luigi qui est bien en tête. Hein. Luigi il a vraiment une bonne avance et le truc c'est que comme on peut se pousser, s'il faut, voilà. Luigi va bloquer. Oh là là. Il va le bloquer et du coup va quand même finir premier cette course, même si quelques centièmes, ça reste 8 points de différence, c'est 8 points, on les prend. Le score c'est serré quand même, c'est serré. Sortir d'une session de Handy Game, c'est assez compliqué à appuyer les manettes et la fresque qui a quand même pas mal avancé. Il y a plus de couleurs que tout à l'heure. Après, par contre, évidemment, je n'en verrai pas la fin. Pour revenir un peu sur le Handy Game, en fait, ce sont des manettes qu'ont fait des joueurs qui n'avaient pas la mobilité de leurs mains en entière. Du coup, ils ont fait des manettes adaptées. Et c'est franchement bien compliqué à gérer, il y a même des sticks qui sont sous la manette, comme vous avez pu le voir précédemment. Mais franchement, c'était sympa à tester.
crois que les pneus sont en plastoc. Tu peux tirer, etc. Est-ce que tu peux casser le pont là-bas? Je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon, tu vois que c'est un petit peu loin en vérité. C'est loin un peu le pont, ouais. Loin. Ouais. On va aller plus vite. Parce que tu sais, le tank, tu vas prendre un tank. Mais un tank, ça va pas très vite, tu vois. C'est chiant. Du coup, attendez, je vais juste faire un truc rapidement. Regardez, on va éditer. Parce que là, je sais pas si vous vous rappelez, mais vous voyez qu'en fait, il burn. En fait, il va burn pendant 10 secondes, tu vois. Ouais, ouais. 30 secondes. Ah, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Tu vas nous faire Ça y est. J'en ai 10, regarde, il m'en reste encore une, je t'en pose encore une. On la pose où? Là, ouais, là en bas, là, ouais. Là. Dans la bouche. Mortel. Doucement. Ah oui. Allez, viens. Ah, boy. Now we're gonna play, boy. Monte. Rico. Voilà. Ok, on avance. Tu vois, c'est long, c'est chiant. Ouais. Ah, celle du bas, elle te fait... Ouais. Ah oui, t'as pas la position horizontale. Ouais. Allez. Voilà, allez. Ah, ça marche. Ça va trop vite, en fait. J'ai un peu dû mettre autant, en vérité. Parce qu'en fait, il s'est mis vers le bas et en fait, le bas, il me soulève, je crois. Allez. Tu vois. Attendez, j'ai une autre idée. Tu sais quoi? Bien sûr, tiens, cadeau, ça. Hop, tiens, cadeau. Doucement, doucement les gars, doucement, doucement, regarde. Si tu l'arraches, tu vas voir un autre, tiens. Tiens, c'est cadeau. Pas d'agressivité, pas d'agressivité. Exact, tiens, cadeau. Tu peux l'offrir si tu en as déjà eu un. Pour ceux qui ont déjà eu des t-shirts, vous avez la possibilité de l'offrir à la personne qui est à côté de vous. Ok? Là-bas, il y a eu des t-shirts ou pas? Non? Non? D'accord. Viens avec moi, s'il te plaît.
c'est toujours avancé jusqu'à potentiellement leur premier checkpoint et les jaunes les arrêtent instantanément dans leur course et les exécutent. Santiago est parti prendre un peu la tête alors que la plateforme est revenue exactement au centre de la carte avec une tentative de l'équipe Body Wave de pouvoir forcer un petit peu la défense adverse. De Body Wave, ils ont décidé de prendre un peu les devants, mais si ça y est, l'équipe du Perion reprend le contrôle de la plateforme. Attention à ça. Sur la partie, c'est pas grave. C'est le début de la rencontre. Voilà ce que je cherchais comme terme. Sur votre ventre, petite info, sécu. Si vous en avez pas, et tu vois, je viens de dire des choses, et tous les deux, vous m'avez écouté, mais vous n'avez rien fait. Le sac à dos, faut le mettre devant. Là, parce qu'en fait, tu peux faire mal.
pas à quoi ça sert. Alors pareil, le SWC, il n'y a que dalle non plus aujourd'hui. Ouais, il est 17h07 pour le coup. La Prague Games Week ferme à peu près 1h30. Mais je sais pas s'il y a eu quelque chose de la journée, mais ce matin quand je suis arrivé, il n'y avait personne et là il n'y a rien du tout. C'est très étrange. Paris Games ferme dans à peu près 1 heure. Je suis quand même assez bien fatigué. Je ne sais absolument pas du tout combien de temps j'ai filmé, combien de temps va durer cette vidéo. Voilà, pour ma part, j'ai testé quelques jeux. J'ai fait plusieurs fois le tour du salon et c'était plutôt pas mal. J'ai acheté quelques goodies, j'ai récupéré pas mal de flyers et encore toujours quelques livres et mangas. Voilà. Je vais continuer pour l'heure qui me reste. Retour à la maison.